Parti de zéro pour devenir héros. C'est pas normal. C'est pas normal. Quel artiste a même chanté ça? Que parti de zéro pour devenir héros n'est pas normal. C'est normal. C'est normal. J'ai entendu certaines personnes dire aussi que la chance n'existe pas. Mon cher ami, la vidéo aussi qui vient là va te prouver que la chance existe. Voilà la petite Aïcha qui fait le tour du monde, qui a inondé la toile, qui fait vibrer la toile. Aïcha Tremblay. Qui n'est pas au courant de Aïcha Tremblay? Si tu ne connais pas Aïcha Tremblay, je ne sais pas ce que tu fais sur les réseaux sociaux actuellement. Alors, c'est une petite Burkinabé. Je ne sais pas si elle va l'appeler. Bon, j'évite de dire le mot une petite villageoise parce que si elle dit ça, on va dire peut-être j'insulte ou bien quoi. Mais c'est une petite, je suis sûr, elle ne connaît même pas les réseaux sociaux. Donc, il y avait un one man show, un petit truc là qu'on appelle souvent dans notre quartier le boom. Là-bas, dans leur village, le Didier a donc mis ça avec les Atalakou. Aïcha Tremblay, elle a seulement fait. Et c'est comme ça qu'elle devient célèbre. C'est comme ça le temps de Dieu. Nous allons regarder la petite vidéo avant de couler notre commentaire après. Observons. C'est la magie, non? Quand ton heure de gloire arrive, oui, on n'est que la banane qui va mûrir, même si tu mets dans le congélateur. Même si ça devait mûrir en 10 ans, même ça fait 30 ans dans le congélateur, ça va finir par mûrir. Donc, les amis, voilà donc l'heure de Aïcha, qui est présentement reçue par des autorités. On annonce même déjà son arrivée en Côte d'Ivoire. Sa mère a même déjà reçu certains dons et tout. Juste à cause de ces petits mouvements qu'on a l'habitude de voir au Cameroun. Certainement dans leur pays, ils n'ont pas l'habitude de voir ces choses-là. Parce que nos soeurs du centre, Boulou, Betty, Boulou, Eton, avec ce jeu de corps, c'est la magie chez eux-mêmes. Donc, voilà donc une petite qui est partie de rien comme ça. Pour devenir ce qu'elle va être. Ah! Non, il ne faut jamais désespérer dans la vie, si les amis. Quand on vit, on a espoir, surtout en ce moment où il y a la guerre dans le pays. Donc, ça ne va pas vraiment bien. Donc, Dieu a choisi un moment un peu opportun pour donner un peu de sourire à cette population. Parce que là-bas, avec les attaques et tout, les gars sont frustrés. Maintenant, là, avec Aïcha, certains ont un peu oublié leurs soucis. Nous allons écouter le général Makosso qui a promis 500 000 à la petite Aïcha dès son arrivée en Côte d'Ivoire. J'espère que les 500 000 là, Makosso, ne sera pas comme les 500 000 que tu avais promis à la famille de Madame Cooper. J'espère que ça ne sera pas les mêmes 500 000. J'espère que ce n'est même pas les mêmes 500 000. Bah, juste aujourd'hui là, tu n'as jamais rien fait. Tu avais aussi dit que tu devais contribuer 500 000 pour les obsèques. Après là, on a enterré, on n'a même pas entendu que rien. Écoutons le général Makosso. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi-même, le père de la marmaille, je suis dépassé. Voici une petite fille burkinabé qui était couchée dans son coin. On dit cérémonie dans la poussière. Elle vient trembler. Aïcha, trembler. Aujourd'hui là, la petite Aïcha va venir à Abidjan. La petite Aïcha va passer à l'émission de Willy Dombo. La petite Aïcha va trembler devant la Côte d'Ivoire. La petite Aïcha sera reçue par les ministres de la République. Mes amis, Aïcha Tremblay. Vous savez, je vois beaucoup de personnes qui sont assis dans leur coin. Oh non, l'Afrique est perdue. Comment on fait maintenant la promotion de la médiocrité? Les amis, quand ton heure a sonné,
Dieu dit, ton heure a sonné. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il te prend de la poussière et te fait asseoir à la table des grands. C'est l'histoire de la petite Aïcha. Moi-même, j'ai envie de gifler Aïcha avec les 500 000 francs. Oui. Parce que quand j'ai regardé le visage de la petite, vous n'avez pas idée de son histoire. Vous n'avez pas idée de son histoire. Regardez le DJ. Il passe tout son temps à aller dans les campements, dans les villages, pour aller donner la joie. Et tiens, mon DJ, aujourd'hui, son étoile a pété. Tu vois, il y a des gens qui vont s'asseoir pour faire la sorcellerie. Oh non, on fait la promotion de la médiocrité. On a des ingénieurs qui ont des talents. Chers amis, à chacun son temps, à chacun sa gloire, à chacun sa saison. Le jour, le temps de l'ingénieur va arriver, ça sera son temps. Pour l'instant, pardonnez, laissez-nous trembler. Aïcha, tremble, attends, tremble. Nous sommes dans une Afrique où il y a tant de divisions. Allez au Burkina Faso. Les théories, ces voyous, ces mesquins, ces petits maudits sont en train de fatiguer les populations. Au moins, les Burkinabés pourront avoir au moins un sujet de joie. Ça, là encore, on n'est pas content. Les gens sont sorciers quand même. Actuellement, c'est le temps de la paix. Actuellement, matin, midi, soir, quand il te laisse, c'est Aïcha. Tu es d'accord, c'est Aïcha. Même le ministre qui rentre dans son bureau, il dit Aïcha, tremblez, tous les collaborateurs tremblent. Parce que nous vivons dans un monde de stress où les gens sont méchants. Tout le monde veut te détruire. Donc quand une petite fille reçoit sa saison comme ça, de grâce, apprenons à apprécier. Ce sont ces genres d'opportunités que Dieu crée dans le but afin que nous puissions nous aider. Et ça là, il n'y a pas sorcellerie dedans. Aïcha, en tout cas nous on t'attend en Côte d'Ivoire. On t'attend à Abidjan. Et vous voyez les autorités burkinabé, surtout le ministère de la Culture, doit aider cette jeune fille. On peut réaliser quelque chose pour elle. On peut mettre en place un petit commerce pour cette jeune fille. Parce qu'après trembler là, elle n'est pas artiste, c'est le DJ qui va vous foncer. Mais elle, là, elle devient quoi? Oh, c'est elle qui a révélé le talent. C'est elle qui a marqué les gens. C'est elle qui a touché les gens. Ma petite Aïcha, le général Camille Makosso a déjà tes 500 000 francs. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on est ensemble. Peuple du Burkina, je vous aime. Vous et moi, c'est une alliance. Shalom. Très bien. Tout ce que je peux dire, Aïcha, bon vent. Et aux autres qui pensent que tout est déjà fini pour eux. Quand on n'est pas dans le cercueil, mon ami, on ne perd pas espoir. À tout moment de la vie, le bonheur peut arriver. N'oubliez pas votre savon Mana, que je vous dis tous les jours, c'est le meilleur savon actuellement sur le marché, savon Mana, sans concurrent. N'oubliez pas de prendre votre savon. Es-tu constamment fatigué par ta peau à l'air terne et rideuse? Les taches ou l'acné présentes sur ton visage t'effraient-ils toi-même? L'entreprise de Mana House met à ta disposition le savon Mana, l'ultime solution anti-taches, anti-acné et anti-âge que tu recherchais. Fait à base de collagène, de vitamine C et de lait de kojic pour les peaux noires et naturellement brunes. Disponible dans les parfumeries, les supermarchés, etc. Renseignements et commandes au 659 44 35 49. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.